Bonjour! Alors avant de commencer le vlog, je vais vous faire 2-3 petites précisions parce que si vous regardez ce vlog sans contexte, vous n'allez vraiment rien comprendre. Donc je suis là pour ça. Premièrement, de quoi va parler cette vidéo? En fait, je suis en école d'audiovisuel, ça je le répète constamment, j'ai l'impression. Et on est en deuxième année, et pour valider notre troisième année, on avait un projet en fin d'année à faire, c'était une série de 4 épisodes. Sur ces 4 épisodes, on a 2 réalisateurs et réalisatrices par épisode, enfin 2 personnes quoi. Et avec Corentin, du coup, nous avons eu l'idée de la série Step Up The Game, et du coup, on a décidé qu'on voulait réaliser l'épisode 4, et c'est ce qu'on va faire pendant ce vlog. Deuxième info, ce vlog n'est pas là pour apprendre aux gens comment ça marche sur un tournage, c'est vraiment juste le bordel, c'est juste histoire d'avoir des souvenirs du tournage. J'ai demandé à mes copains de vlogger l'épisode que je réalisais, parce que voilà, je me suis dit que ça ferait un souvenir stylé. Au final, il y a énormément de bêtises dedans, mais c'est quand même très très drôle. Du coup, vous verrez pas grand chose de la série finalisée, je mettrai 2-3 extraits par-ci par-là, mais voilà, c'est pas spécialement le but. Et troisièmement, notre cursus est en anglais, c'est-à-dire qu'on a tous nos cours qui sont en anglais, on est en section internationale un petit peu, et du coup, on parle anglais sur le tournage, enfin, il y a énormément de franglais parce qu'on est censé faire une série en anglais, mais il y a beaucoup de français, donc on fait beaucoup de franglais pendant tout ce vlog. Si vous détestez ça, je vous conseille pas spécialement de regarder, mais voilà. Maintenant que vous avez toutes les infos, je peux vous laisser regarder le vlog tranquillement, donc j'espère que ça vous plaira, et puis bon visionnage. Je tape un breakdance, puis après je vais me doucher. Oh, it's raining, raining. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je suis seconde assistant cam. Tu fais quoi? Je vais faire. Et en fait, moi, mon taf, c'est de faire le clap, d'apporter les objectifs, d'apporter tout ce qui va, tout l'équipement, et de préparer les retours vidéo pour que les réalisateurs y voient. Scene 8, shot 1, take 1. Non, faut dire que c'est le vlog maintenant. Vlog 1, on 1, take 1. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est là, hein? C'est ton rôle? Oui. Shot 1, take 2. Action. How is he? In a coma. What? I'm kidding. He's fine. Don't worry. Just a sprained wrist. Le vlog sera mieux. N'hésitez pas à aller le voir. J'observe à chaque fois le... Est-ce qu'il est possible de faire caca? Demain, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie Laetitia. Coucou Laetitia. Dans les commentaires, hop hop hop. Et là, c'est Alice. Bah en fait, c'est surtout que c'est chiant, tu vois. Être assistant réel, c'est pas facile tout le monde. Coucou Mabou. Bah, tu montes, maybe ça va. C'est dans quelle salle, la chambre? J'arrive. Pourquoi ça a zoomé tout seul? Bref, je voulais vous parler, je voulais vous présenter le camion. Voilà, à la communauté de la meilleure vlogueuse du sud par un autre sudiste. Alors, attention, attention, attention. Ta-da-ta-da-ta-da. N'est-il pas magnifique? Genre, il est pas trop trop beau? Voilà, et c'est grâce à la maman de Stella qu'on a eu ce petit camion qui est magnifique. Et voilà, donc gros big up à Stella et à sa maman pour ce camion. Et en plus, si vous l'êtes dans la confidence, ils le savent pas encore. Mais
Oh, c'est un terrible échec, je ne sais pas ouvrir mon camion. Attendez, juste deux secondes que je trouve mes clés. J'ai acheté... Ta-da ! Parce que j'ai fait 3 heures de voiture. Je me suis dit que j'en faisais ma mission du jour. Et que j'allais faire la distribution à mes potos, à mes préférés et pas à tout le monde. Voilà, voilà, je raconte ma vie. Mission top secrète numéro 1 enclenchée. D'accord. Restez comme ça. Ok. J'entends un bruit de plastique. Oh, je sais que j'adore ça. Merci, merci. Mission numéro 1 réussie. On a des trompeurs. J'ai tout un paquet. Alice, first aid. Merci. Arnaud ? Oui. C'est quoi ? I am so proud of me. Voilà, attends, je sais pas si ça va être un envers ou pas, mais... Emotional support. Voilà, emotional support. Il fait extrêmement bien son job. Merci. C'est incroyable. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois prendre ce qu'il y a dans ma main. Promis, tu vas pas le regretter. Tu fais partie de la mission secrète. Ok, d'accord. Merci, Erwan. De rien. Merci Emotional Support. I think we're just done. Ça va, j'ai une bière dans la main, donc tout va pour le mieux finalement. Tu me fais une dégustation ? Une dégustation ? Attends. Ouais. Fruité. Fruité ? Fruité. Je peux goûter ? Merci. Attends, tu me prends ? Je te prends quand tu veux. Alors ? C'est un goût de shampoing. De shampoing ? Jour 2 de tournage. Attends, mais dézoome un peu, non ? Épisode 4. Alors, bonjour. Bienvenue chez Erwan et Aurore. Hashtag le petit paradis. Voilà, plus aujourd'hui. Bonjour. Aujourd'hui, je suis malade. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir. Ok, attends, je me lève parce que en étant assis, je capte mal. C'est wonderful. Je tente plusieurs angles. Oh là là, c'est magnifique. Ça fait mal aux mains. Jordan, votre avis ? J'ai pas d'avis. Bonjour monsieur le réalisateur, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Ça va, j'ai faim. Donc je mange un prince. Le prince. Enfin, une moitié de prince. Oh non, c'est criminel. C'est super criminel. Comment mangez-vous vos princes ? Comme on les sépare pas, on est où hein ? Ou vous les croquez d'un coup ? C'est pas des... Dites tout dans les commentaires. Wow. Oui, oui, oui. Magnifique. Bonjour les communes, c'est Romois. Je vous ai fait le tour du camion et maintenant je vais faire le tour de chez moi parce qu'on tourne chez moi et qu'en plus je ne sers à rien et qu'on m'a demandé, je cite, tu peux sortir de ta chambre s'il te plaît, Erwan ? Voilà, donc du coup, bienvenue chez moi. Vous pouvez voir les chaussures de la team. Un couloir. Le dressing room qui est en fait la chambre de ma coloc Aurore. Le room tour en fait. Le room tour de chez moi. Nous avons la seconde IT et le gaffeur. Quentin. Il y a Quentin, c'est notre prof. En vrai, il est sympa. Et voici le garage avec le Video Village. Dites coucou. Bonjour. Je suis réel technique aujourd'hui. Et c'est très chouette parce que mon chef opérateur est génial. De tourner une petite scène. Quel est ton ressenti en tant que réalisatrice ? On n'a pas tourné une scène, on a tourné, on a fait deux plans. Deux plans, oui, je veux dire deux plans. Bah écoute, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps,
Mais mis à part ça, j'ai le moment que je veux et le plan rend bien, donc c'est chouette. Et toi, question acting, qu'en penses-tu? Ça va, j'aime bien. Après, le problème, c'est que sur place, je peux pas toujours voir tout. J'essaie de regarder un peu sur l'écran qui est à côté de moi, mais je vois pas toujours parce que c'est l'écran qui est réservé à la cam. Et au niveau de l'image, je laisse ça à Océane, justement, à gérer. Tu fais quoi en gros? Moi, ce que je fais, c'est qu'en ce moment, je bouge les trépieds. Voilà. Ah. Voilà. C'est la première à dégager si on en a marre d'elle sur cette. Mais non, mais... T'es qui en fait, toi, pour parler comme ça? Le dernier éclair. Oh, non, moi j'ai plus faim. Si vraiment faut se sacrifier. S'il faut se sacrifier. Je le fais le cœur lourd. D'un coup, ou rien. Si je dis pas de bêtises. Je suis trop contente, j'ai mes petits clés qui se sont bien. Les clés sont tombés du bon côté. Ça va le vlog ou quoi? Ça va le vlog? Ouais, ouais. Oh, j'en ai plein de cul. Vraiment là, j'en ai plein de cul. J'en ai trop marre.